Alors attends, on peut aller chercher des barres de fer. Magnifique. Magnifique. Je peux faire de la biomasse. Je peux rendre les barres de fer. Pour pouvoir faire une tour d'observation et tout refaire avec du béton. Ouais. Alors attends. On a ça. Biomasse feuille. Ouais. Pour faire plein. Oh, incroyable. Oh là là. Ouais, effectivement, le jeu porte bien son nom. Je dois avouer. C'est plutôt satisfaisant. Il est vrai. Il est vrai. Fais voir la biomasse, il m'en reste encore pas mal. Il m'en reste encore pas mal. Toi. Hop. Mettre ça là. Et on va en mettre 200 là-bas. Ah, ok. Faut pas en mettre autant. Mais oui, oui, je vois le délire. Il faut tout automatiser, il faut tout faire mieux. Faut tout faire mieux, parce que là, là, c'est le bordel. Là, je peux forcément faire mieux. Alors, attends. La biomasse, là, c'est bon. Donc là, on va pouvoir faire lancer le truc, là. Voilà. Et donc... Milestone reached. Several new structures are now available for improving factory organization. Foundations provide a building grid, which makes it easier to manage placement of any structure. In the event that you are experiencing amnesia for all events prior to planetfall, be reassured that memories of beloved humans and or animals would have only been distractions from your important mission. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Ok. Donc nous avons désormais fondation mur. Mur basique de 1 ou 4 mètres. On a des fondations, on a des rampes. Et on a aussi une tour d'observation. Fais voir la tour d'observation. C'est pour observer haut? Ou c'est pas si haut que ça, non? Je me rends pas compte. Est-ce que je peux vraiment observer Admettons, si je la mets là. Et que je monte. Ok. Nous sommes montés. Ouais, c'est pas pour observer de très très haut. C'est beau, hein? Ouais, je suis d'accord, Bob. J'allais dire pareil. C'est beau, hein? Mais... Oh, il y a un lac là-bas. Ouh, il y a de l'eau. Bon, pour l'instant, on n'a pas besoin d'eau, mais... Mais ok. J'aurais pu lui sauter dessus, c'est vrai. Maintenant, il est trop loin. Terrible. Non, 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 non! J'ai glissé, chef. J'ai glissé. Alors, attends. Dans les fondations. On a des fondations de 1 mètre. Est-ce que donc je peux faire ça? Plus... Attends, plus. Ajouter à la liste des tâches. Non. Je voulais les mettre en raccourci. Sélectionner, ajouter à la liste des tâches liées à la barre de raccourci. Si je fais genre... ça. Ah ouais! D'accord! D'accord! On peut faire plusieurs étages avec les murs. Oh là 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 là. Attends, ça coûte combien tout ça, les fondations? C'est des plaques et du béton à chaque fois. Et c'est... Ah oui, c'est grand! Ah oui, oui, oui! Ok. J'ai 10 barres de raccourci. Ah ouais, j'avoue, il y a marqué 1. Ah ouais, j'avoue, je sais pas comment je change entre les barres de raccourci, mais... Ah ouais... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Hello, comment va Marie Play de Marie Inca? Oh seigneur. Yo Victor, ça va et toi?
Nickel, je découvre Satisfactory. On en est à 3 heures de gameplay et je suis déjà dans, en mode, oh mon dieu, il faut optimiser, il faut faire ça comme ça, il faut machin, il faut truc. Ouais. En fait, là, faut que je fasse des fondations. Du coup, attends, construire clic gauche, pivoter l'hologramme. Mode ancrage. Ah ouais. Ok. Bloquer l'hologramme, activer le mode construction, copier le bâtiment, changement rapide, menu construction, nanana. C'est ça, en fait, qu'il me faut. Il faut que je bloque ça. Pour que ça fasse vraiment une grid. Admettons. Oh, le bitume! Incroyable. C'est ça, hein? Faut que je fasse... Non, contrôle plus molette. Contrôle plus molette. Ah oui. Ok, admettons. Et en fait, je peux construire que du bitume un peu sur tout le long. Pour pouvoir mettre les machines dessus, le hub dessus et tout et tout. Tu peux pas faire moins épais? C'est le moins épais, lui. Lui, c'est numéro 1. Sinon, il y a épais de 2 mètres. Et sinon, il y a épais de 4 mètres. Mais ça a l'air d'être... Après, c'est un tout petit peu en pente. Mais le but, c'est que tout soit bétonné, finalement. Donc bon, comme tout est bétonné. Mais là... Ouais, là, ça commence à être plus haut. J'essaye, hein. Pour l'instant, on essaye des choses. En fait, faudrait que j'enlève tout. Faut que j'enlève tout. Et que je remette tout. Mais du coup, si j'enlève tout et je remets tout, là, je vais vraiment avoir zéro place dans mon inventaire, en fait. Comment je fais ? En vrai, on enlève tout et on voit, je me dis, ça peut être pas mal. Attends, réorganisation de fou. Démantèlement de masse, maintenir contrôle gauche. Ok. Je maintiens. Ah non. Ok. J'ai tout enlevé ? OMG. Appuyez sur U pour ouvrir la caisse. Ok, caisse de démantèlement. Ah, mais c'est parce que du coup, j'ai trop de trucs. Ah, j'ai trop de trucs. Du coup, ça m'avait fait des caisses de démantèlement. Ok. Bon, alors, attends. On va faire les fondations de partout. Mais du coup, comment je démantèle le reste ? Attends, en fait, il faut que je... Hop. Ça dégage. Ça dégage pour l'instant. Ok, mais ça va rester par terre en fait. Ouais, il faut que je remette le hub en premier. T'as raison. Excellente idée. Spécial le hub, c'est celui à remettre vraiment en numéro 1. Oh là, non. Doucement. Si j'appuie sur CTRL, ça marche pas avec CTRL pour le hub. Ah si ! Nickel. Alors attends, je vais aller chercher les coffres qui sont en dessous. Attends. Ou alors j'aurais peut-être dû faire des fondations. Ah mais non, ça marche pas. Non, faut que je fasse des fondations avant. Attends. Abort mission. Faut d'abord que je fasse les fondations et que je fasse le hub sur les fondations. Ouais, plus logique. Ok. On commence à être bien. Ok. Et là, le hub, si je le mets là, il vole ou il est ok? Je vois rien. Oh, doucement. Ok. Est-ce que là, on est bien ou pas? J'ai l'impression qu'il flotte. Non, ça va. Non, ça passe. Ok. Ok. Alors, attends. On va mettre tout ce dont on n'a pas besoin là-dedans. Ouais. Les 8 milliards de minerais. On en a trop maintenant. Ça va là-dedans. Pour l'instant, on est pas mal.
Ok. Ça, c'est toute la biomasse. La biomasse. On la met ici. Très bien. Là, on prend tout. Et en fait, on va vraiment mettre de la fondation absolument partout. Absolument partout. Comme ceci. Absolument partout. Nous possédons les fondations. Incroyable. Incroyable ce qui se passe. Et là, peut-être falloir mettre des rampes. Du coup, attends. Comme ça. Ou peut-être des rampes comme ça. Oh là 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 là. Attends, c'est parfait là ce qui se passe. Ouais. Ouais, par exemple, on fait au pif un peu pour l'instant, parce que du coup, je découvre. Mais ouais, c'est sympathique, là. Ok. Ok. Donc, nous avons la base, désormais. Et après, en fait, les murs, j'ai l'impression que ça sert... pour faire des étages, si on veut monter et continuer les trucs à l'étage. C'est peut-être un peu vénère. Attends, et ça... En fait, je peux continuer de monter avec les rampes. Pour exploiter les choses. Ouais. Mais du coup, on peut passer en dessous, là. Ouais. Ouais, ouais. Ah mince. J'avais pas vu... Non ! Non ! Ma caisse de stockage, s'il vous plaît. Merci. Je prends tout. Et je remets une rampe de l'autre côté. Voilà. J'avoue que Bob, je sais pas où est-ce qu'il est parti au final. Il veut plus de nous. Ok. Et en vrai. Oh, il y a de l'herbe qui dépasse de celui-là. C'est terrible. Peut-être faire, peut-être rehausser un peu, hein. Là, ça va pas, hein. Ok. C'est pas mal, là, en vrai. Je sais pas à quel moment faut s'arrêter, en fait. À quel moment, là, il y a trop de fondations. Jamais assez de fondations, j'ai l'impression. Ok. Voilà. Bon, là, il y a de l'herbe qui dépasse, mais bon, c'est pas très très grave. Ok. Et là, on peut en faire les dernières. Ok. En vrai, on a bien mis le terrain à plat, là. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ensuite, est-ce que les murs... Fais voir. Ah, il y a des murs comme ça. Pour faire les trucs en hauteur. Oh là 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 là. Par contre, les trucs en hauteur, là, c'est trop pour moi encore. Hein. Niveau optimisation, c'est pas... Je vais voir si je fais celui-là ou celui-là. Non. Ok. Bon, on va mettre le normal pour l'instant. Voilà. Et donc, en vrai, on a de l'espace, là. On a de l'espace. Et du coup, avec cet espace, nous allons remettre toutes les machines. Je sais pas si... Attends, déjà, là, en fait, ça... c'est trop long pour rien, là. C'est trop long pour rien. Ça peut être optimisé mieux. Ok. Du coup... Si je remets les machines... Attends, c'était... Qu'est-ce que tu m'avais dit? C'était contrôle plus scroll? Ah ouais. Pour changer les... Ok. Et là, du coup, je peux mettre, par exemple, constructeur, haut fourneau, foreuse... Pas forcément foreuse, mais bon. Brûleur de biomasse. Ok, ok. Donc là... On est d'accord qu'on a toujours mes deux trucs, hein. On a mes deux brûleurs de biomasse qui sont là, ok. Et du coup, si les deux, je les connecte au même truc électrique,
c'est censé prendre... Enfin, c'est censé avoir deux fois plus d'électricité, on est d'accord. Fais voir. Donc là, en théorie... Si je mets... Ça... Et ça... Capacité... On est d'accord que... Ouais, 40, ça double. Mais du coup... Si je mets le troisième, pareil. Ça va encore... ça fera 60 de capacité. Et puis en fait, il faudrait juste que... Toute l'électricité soit au début au même endroit. Et ensuite que ça se dispatche en mode multiprise. On est d'accord? Je pense que ça paraît plus logique. Dans ma tête, en tout cas. Oh non, terrible, terrible là ce qui se passe. Il y a de l'herbe qui dépasse. C'est dur de s'en remettre là de ce qui se passe, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va se mettre en mode multiprise du coup. Est-ce que j'ai un brûleur de biomasse qui est ici? Non. Non. Production, alimentation, brûleur de biomasse. On en met un. Chevauchement avec un autre objet. Oh, terrible. Oh, terrible, c'est trop gros. Oh, puis c'est en pente. Oh là 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 là, terrible. Terrible ce qui se passe. Attendez, attendez, attendez. Est-ce que si j'enlève ça... et que du coup... On met ça... Ah mais non, c'est pas logique. J'aurais dû mettre les rampes plutôt ici, au final. On est d'accord. Je peux pas déplacer le hub. Non, je peux pas le déplacer, je suis obligée de l'enlever. Ok, on va refaire le hub. Plus proche. En mode au milieu. Comment ça, là, ça marche pas? Ah, parce qu'il y a le poteau électrique. Ok. Là, on le fait plus proche. Et là, on a de la place. Ouais, on a de la place. Et là, je peux mettre plutôt les... Quitte à reconstruire, autant direct le faire bien. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Ah non, là, ça marche pas. Faut que je mette une fondation. Into la rampe dessus. Ouais, 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 je vois l'idée, ouais. Je vois l'idée. Du coup... Si je fais genre ça, et que je fais ça... Non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi je peux pas mettre un... chevauchement sur un autre objet? Ouais, donc si j'enlève ces rampes-là... Et que je mets ça comme ça... Ouais, on est bon. On est bon. Comme ça, ok. Oui, oui, comme ça on a... Ouais, ouais. Bon, c'est approximatif, mais ça passe. Ça passe à peu près. Puis là, on mettra des murs pour plus voir. Ça m'a l'air ok. Mais donc... Mon brûleur de biomasse, là, est toujours le problème. C'est que je peux pas le mettre. Parce qu'il est trop gros. Là, je peux le mettre là, à la limite. Comme ça, on le connecte au même... Au même pylône et on n'en parle plus. Ok. Si j'alimente les trois, ok? Et que je les mets les trois au même pylône électrique. Là, on va se retrouver avec... attends. oui, électricité. Pylône électrique. Pylône électrique. Pylône électrique. Là, normalement, il y a 60. Oh ! 70. Oh là 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 là, 70 mégawatts. Là, normalement, j'alimente toutes mes machines avec ça. J'alimente tout ! Ok ! Et du coup, il faut faire multiprise. Ok, les moteurs externes, c'est 30. Ah oui, donc les moteurs là de base, c'est pas fou. D'accord.
Là, on peut faire ça. Comme ça. Superbe. Et là... Il y a vraiment un arbre qui dépasse. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On s'en remettra. Et avec ça, on peut donc automatiser littéralement toutes les machines. Absolument tout. Et donc là, on peut avoir le fer qui arrive ici et qui se sépare en deux ici. On peut avoir le cuivre qui arrive ici qui se sépare en ici. En vrai, j'ai peut-être fait trop grand. Pour l'instant, il n'y a pas assez de trucs. Je me suis emballée, les gars. Je me suis emballée. C'est terrible. Je me suis trop emballée. Ok. Si je fais un fourneau ici. Ici. Ok. Il est 20h50. Bravo à tous. Il est 20h50. Nous avons survécu à une nouvelle journée. Incroyable. Incroyable l'audience qui s'en souvient. C'est pas comme sur World of Warcraft, bref. Je ne vais jamais vous lâcher avec ça juste pour vous faire chier. Voilà. Non mais voilà. We don't forget. Putain, j'ai pas d'espace du coup. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut que j'améliore... Attends. Il faut que je fasse aller ça plus loin. Attends. Je voulais arrêter le live à 20h, mais bon, voilà. Il est 20h50, finalement. En fait... Si je mets une rampe comme ça... Non, ça marche pas. Il faut d'abord que j'ai les fondations. Ah, j'ai... Oh, j'ai plus de béton. J'ai plus de béton. Je m'emballe et j'ai plus de béton. J'ai du béton dans le coffre, là? Non? Ah merde. J'ai une caisse sous le hub. Sous le hub? Ah ouais. Ah non. Sous le hub? Non. Où ça? Elle est pas là. Sous la fondation? Oh, flemme. Oh, giga flemme. Pour qu'il y ait 3 minerais qui se battent en duel dedans à tout détruire? Non. Il est bien, là, le hub. Il est bien. Il est bien. Ouais. Ouais. Mmh. Alors attends. Là, on peut mettre un constructeur. Parce qu'en fait, il nous faut le béton, là. Il nous faut le béton. On dirait que tout le monde découvre Satisfactory depuis la 1.0. Moi, en tout cas, oui, c'est le cas. Totalement le cas. Je fais partie des newbies qui n'avaient jamais joué au jeu avant. Mais je kiffe. C'est trop bien. Trop bien. Si je fais ça, est-ce que c'est bon? Ouais. En fait, faut juste que je... Faut l'électricité, tout ça. Mais au moins, refaire du béton, parce que là, en fait, compliqué, là. Est-ce que je peux mettre un poteau électrique, genre, en hauteur? Genre là. Poteau électrique. Non, je peux pas. Quel enfer. Je peux pas mettre un étage pour mettre un poteau électrique à l'étage. Comment je mets un étage? Faut forcément des murs? Je pense qu'il faut forcément des murs. Fondation mur. Mur basique de 4 mètres. Ok. Admettons. J'ai pas assez de béton. J'ai pas de béton. Bon, c'est pas grave. On fera ça après. Parce qu'il me faut le béton pour faire le poteau électrique, en fait. Là est le problème. Et là, en fait, on peut connecter l'électricité de lui à lui. Mais attends, mais il est pas...
Il faut qu'il soit pile à un croisement, sinon ça va me stresser. On peut pas te déplacer ? Filtre de démantèlement. Non, on est obligé de démanteler. Alors. Parce qu'en fait, s'il est pas pile à un croisement, ça me stresse. Mmh. Hop. Ligne électrique numéro 1, 2, 3. Donc lui, il est alimenté avec le feu de Dieu. Et là, on peut le connecter à lui. Voilà. Et lui, on peut le connecter pour l'instant à ça. Juste pour faire du béton. Ouais, j'imagine qu'on aura des escaliers après. Pour l'instant... pourquoi ça marche pas ? Est-ce que j'ai pas sélectionné le béton, je pense. Ouais. Ok. C'est bon. Nickel. Objet pertinent. Ok, c'est pertinent. Je vais vous mettre du calcaire, c'est pertinent. Ok, ok. Là, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et en fait, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, tu mets des murs, comme ça, t'automatises plus et tu vois même plus le... ce qu'il y a autour de toi. Tu ne vois que ton usine. Ne demande pas d'heure d'arrêt, on est parti pour une nocturne. Non, quand même pas. Quand même pas. À un moment, il faut manger. Que ce soit moi ou mon chien. Quand même. Ok, ça on s'en fiche. Mais du coup, ouais, c'est pas mal, là. C'est pas mal. Et là, fais voir, du coup, ce qu'il me dit, le poteau électrique conso 4. Une capacité 70. Donc ouais, c'est vraiment pas mal. En fait, il y a juste à faire des poteaux électriques un peu à tous les croisements. Et vraiment à alimenter avec 800 centrales que je mettrai là-bas. Ça peut être pas mal. Ça peut être bien. Je vois l'idée, je vois l'idée. Mais donc, pour ça... Là, en tout cas, on peut faire le béton depuis ici. On pourra faire le cuivre depuis là. Et là, on peut faire... Ouais, non, non, c'est le fer, le problème, là. C'est le fer, le problème. Parce que du coup, il faut rehausser tout ça. Mais pour ça, il faut du béton. Là, on en a 22. On va en faire aussi tel le péon. On va en faire tel le péon. En attendant... C'est très technique comme jeu par contre. En vrai, je pense que t'as plusieurs moyens de voir le truc. Ça peut être technique et tu peux vraiment optimiser à 8 milliards de pourcents. Ou alors, tu peux y aller en mode plus chill. Mais ce sera moins... moins optimisé. Mais ouais. Ouais, ouais, ouais. Avec le béton, je peux donc faire les fondations pour monter par là. Comme ça. Genre. Est-ce que ça c'est suffisant ou est-ce que je devrais monter plus? Ouais, plus hein. Attendons. Un peu plus. Comme ça, ouais. Ouais. Je pense qu'avec des escaliers après ce sera mieux, mais bon. En vrai, j'essaye. Là ça marche pas? Pourquoi là ça marche pas? Ah ah ah! 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 Il avait réussi à me la mettre! Non! Eh ben dis donc! Terrible! Ok, ok. Et là, je peux remettre des fondations. Bon, il y a de l'herbe qui dépasse, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je m'en remettrai. Je pense qu'on peut tous s'en remettre. Là on peut pas, on n'a pas assez de béton! Oh, c'est terrible! Ok, donc là, on pourra mettre la machine et automatiser le fer par ici. Ouais, ouais, ouais. Ok. 29 de béton. On est bien. Ok. Et donc là... Ouais, je pourrais le mettre là, même si bon, là, c'est... Voilà quoi, bref. Je peux mettre donc un fourneau ici, je pense. Parce que
ce sera le début du fer. Le début du fer, ça part de là. Ça part de là. Et donc, on peut le faire aller dedans comme ça. Ouais. D'accord. J'ai vraiment dit ça? Attends, what? Qu'est-ce que j'ai dit comme titre? Attends, j'ai dit, il avait réussi à me le mettre. Attends. J'ai dit ça dans quel contexte? Même moi, j'arrive même plus à me rappeler du contexte. Ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Évidemment. Alors, attends. Je suis la pire, totalement. Totalement. Donc, là, on a le fer. Et là, en fait, il va nous falloir un split du convoyeur. Le split du convoyeur directement. Oh, ça le fait direct ? Non, pas du tout, en fait. Non, pas du tout. Non. J'ai fait nimp. Je pensais que ça le faisait direct, mais répartisseur de convoyeur. Ouais, parce que là, ça me met directement le truc. Ouais ? Ça marche, là ? Non. Non. Oui. Oui. Magnifique, superbe. Et donc là, on peut avoir deux convoyeurs. Même trois, mais bref. Et là, on peut continuer avec les fondations. Je suis en train d'aller trop loin avec les fondations, alors que clairement, pour l'instant, je vais avoir de la place. Là, la place, elle va se faire. Il n'y aura pas de souci. Ok. Donc. Attends. Je me suis perdue. Oui. Oui. On peut transformer désormais. On peut mettre des constructeurs. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment grand et que ça va dépasser. Ils vont dépasser de mes fondations. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, il faut plus de fondations. Plus de fondations. Tu sais que tu peux marcher sur la terre, sinon... Non, c'est terminé. Maintenant, je ne marcherai plus sur la terre. Il n'y a que les péons qui marchent sur la terre. C'est fini. Il n'y a plus de terre. Il n'y a plus de terre. Il n'y a que du bitume désormais. Oula. Non. Doucement. Ok. Et là, on peut mettre... Ah non, là, ça marche pas non plus, mais c'est pas grave, je vais m'en remettre. Parce qu'il me faut deux constructeurs. Mais admettons, si je le construis là, lui, il dépasse ou pas? Non. C'est ok. Notre sort est sauf, mesdames, messieurs, ça ne dépasse pas. Tout va bien. Je peux donc mettre le deuxième à côté, aligné. Qui ne dépasse également pas. Mais attends, le problème... Oh, attends, parce que là, du coup, il va y avoir les convoyeurs qui vont arriver dedans. Mais non, ça ne marche pas! Attends. Faut qu'il soit là. Sinon, ça va être bizarre. Attends. Je vais si loin alors que je viens de sortir du tutoriel. Aïe, je... Vraiment, m'en voulais pas, mais c'est plus fort que moi. Hein. En fait, si je le mets là, ok, ce qui se passe, c'est que là, ça peut rentrer. D'accord. Et là, ça peut sortir. Ouais? Ok. Oh, non, cesse de déblatérer des bêtises et abreuve-toi. J'ai même plus d'apéro, j'ai même plus d'apéro, Fox, comment je fais? Attends. Comment je fais? Il est pas totalement aligné, je vais péter mon crâne, il est pas totalement aligné. Il
Est-ce que je cherche un deuxième verre? Telle est la question. Ou est-ce que je termine le holly? Il me reste une gorgée de holly. J'ai même plus d'eau. J'ai rien! Y'a rien qui va, y'a rien qui va. Attends, répartisseur de convoyeur. On va mettre là. Comment je fais en sorte qu'il soit vraiment aligné? Oh là! Là? Là, tu penses? Est-ce que c'est ça? Ah oui, oui, oui. Ok, ok. Ok, j'aime ça, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien ce qui se passe là. Et là? Ok. Donc là, on est bon. Ça sort bien des deux côtés. Après, bon, là, le problème, c'est que ça, c'est moche. Mais du coup, faudrait limite mettre un mur. Parce que là, à ce stade, on s'en fout. Ce sera automatisé. Mais en fait, le problème, c'est que maintenant, c'est pas logique. Parce qu'en fait, il faut que je fasse le tour pour pouvoir ramasser les choses. Voyez-vous? Mais c'est ok. Je pense qu'on peut s'en remettre. On peut s'en remettre. Par contre, je viens de marcher sur l'herbe. Là, c'est terrible. Je ne suis pas un pécor. Voilà. En fait, je peux faire le tour. Parce que sinon, en fait, je peux sauter par-dessus. Ou alors même juste appuyer depuis là. Mais bon, bref. Voilà. Voilà. Donc, on a ça. On est bon. Là, on est bon pour le faire. Faut juste alimenter à l'électricité. Donc... Ah, mais l'électricité, j'ai un endroit où le mettre ou pas? Oh, terrible. Je n'ai pas d'endroit où mettre l'électricité. Parce que là... Ah non, ça marche, ça marche. J'ai rien dit. Ça marche depuis ici. J'ai rien dit, let's go. Donc... Ok. On a ça. Et là, je peux alimenter tout. Les trois trucs. Voilà. Voilà. Et voilà. Et normalement, c'est... On est bien, non? Fais voir. Fer. Voilà. Et depuis le fer, on peut faire plaque de fer et barre de fer. Ok? Donc là, ça va être automatisé. Et après, ça peut être relié à un conteneur, tu me dis? Mais attends, mais c'est une excellente nouvelle, ça. Incroyable. Donc ça veut dire qu'en fait, là, je peux les refaire sortir et le mettre dans un conteneur. Mais non. Mais non. Attends. Organisation conteneur. Attends. C'est quoi la taille de ce truc, là? C'est énorme. C'est énorme, il me faut plus de fondations. Attends. Faut plus de fondations, les gars, là, ça va pas, ça va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. C'est pas possible, là. Oh, il y a de l'herbe qui dépasse. Je vais pas m'en remettre. Ah non, c'est bon, tout va bien. C'est de la biomasse. Ah là, ça dépasse, c'est terrible, c'est terrible. Ah, c'est, franchement, comme s'il y avait de la nature ici, là, franchement, bon, bref, c'est pas grave. Conteneur. Là... J'en ai pas encore construit, donc j'ai pas compris le principe. Il y a une porte? Non. Attends, faut que j'en fasse un pour voir ce que c'est. Ouais. Ok. Ok. Tout prendre, tout stocker. Ok. Donc là, je peux faire aller les trucs dans un conteneur. D'accord. C'est une porte d'entrée et de sortie. Ouais, non, il n'y a pas forcément giga besoin pour l'instant, je pense. Parce que là, j'en suis qu'au début, donc... Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Il est pas bien relié? Le convoyeur est trop court. Attends. De quoi? Le convoyeur est trop court. Attends. Attends. Pause. Je fais pause au truc. Je ramasse ça. J'ai pas compris.
Attends. J'aimerais bien... Mais non, en fait, je suis débile. Faut juste que je fasse ça. Voilà. Et non. Que je fasse ça aussi. Ok, y a rien là. Et donc là, je peux pas... J'ai pas compris. Ça marche ? Ok, c'est ok, très bien. J'avais pas fait d'un seul coup, ça doit être pour ça. Très bien. Donc là, c'est bon, là, c'est automatisé. Là, c'est parfait. C'est parfait ce qui se passe. C'est parfait ce que je vois. Donc là, le fer, c'est bon. Fais voir l'alimentation en électricité. Consommax 16 et on est à 70. On est large, on est large. Là, on a le béton. Le... Ah ! Ah bah oui. Oui, bah oui. Oui, ça c'est plus alimenté. Bah oui. Oui, oui, bah oui, oui. Oui, bah oui. Maintenant que vous le dites, c'est... Ouais. Ok. Là, c'est bon, ça avance ? Non ? Ça avance pas ? Merde ! Je suis obligée de marcher sur l'herbe ! Oh, terrible. Ok, ok. C'est bon, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, j'ai failli avoir peur. C'est bon. Donc là, on a rajouté une foreuse et une deuxième foreuse en électricité. Donc là, on doit être vers les 25 de production, je pense. Fais voir. 26. Faible, trop forte. Ensuite, nous avons donc le cuivre. Le cuivre, je peux de nouveau faire donc un fourneau. C'est trop grand, tout est trop grand. Le fourneau, je peux le faire sur le côté. Ouais, potentiellement. Parce que le fourneau, le but, c'est vraiment qu'il... Bah, qui fourne en fait, vraiment qui fasse son taf. Into, que ça sorte et que ça aille dans une autre machine. Et que ça aille dans un, voilà, dans un constructeur. Mais les constructeurs, c'est énorme. Là, le problème. Ouais, là, du coup, j'ai le poteau électrique dessus, donc je peux pas. Donc en fait, non. Faut que je fasse d'abord le constructeur pour voir la place que ça prend. Comme ça. Non mais non, parce qu'en fait faudrait que je fasse comme ça et qu'ils soient les deux pareils, je sais pas. Non, en vrai avec le cuivre pour l'instant je peux faire qu'un seul truc de toute façon. Donc bon. C'est pas le plus opti. J'ai fait mieux, je dois admettre. Oh c'est... Non, non, par contre ça c'est inadmissible. Ça ne va, ça pas, c'est pas possible, c'est pas possible. Je ne peux pas admettre que c'est pas droit, ce n'est pas... Non, 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 tout de même, tout de même. Un minimum. Ok. Donc là. Ok, là c'est droit. Et là... Bon, là c'est pas logique, mais c'est pas grave, ça se voit pas. Ça ne se verra... C'est vraiment pas logique, hein. Fais voir si j'appuie sur R, avec un angle droit. Là, c'est bien, là. Ouais, là, c'est bien. Là, on fait tomber comme ça. Et après, on refait comme ça. Ouais, ouais, très bien, très bien. Histoire de dire un minimum. Un minimum. Et donc là, en termes d'électricité, on est comment ? Ah, ça, ça traverse ! Non, ça va pas du tout. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, mesdames, messieurs, c'est pas possible, c'est pas possible, je ne peux pas me permettre. Je suis obligée malheureusement de déplacer... Ah, quoique... En fait, je voudrais faire ça, pour pouvoir ensuite faire ça, et brancher les trucs que ce soit droit, tu vois. Voyez-vous, voyez-vous. Et donc là, en fait, on enlève ça. Et on raccorde ça. Avec ça. Ça avec ça. Voilà. Mais lui, on l'enlève pour l'instant.
Et là, on raccorde avec ça. Et du coup, en fait, il en faudrait limite un au milieu. Parce que lui et lui, ça marche. Et en fait... J'ai mis la musique ? De quoi ? Attends, mais je suis en train de faire une centrale ! Je suis en train de me prendre trop la tête, je sais. Là c'est bon, c'est allumé. Lui il est pas allumé par contre, pourquoi il est pas allumé ? Ah parce qu'ils font rien. Ouais ils font rien. Lui j'ai mis cuivre. Et avec le cuivre on va faire... Pour l'instant on fait des bobines parce que c'est le seul truc que je peux faire avec... Mais les bobines je sais plus quoi en faire. Hein. Ok. Hey. En vrai. Pas mal non. Je vais mettre ma tour... Je vais mettre ma tour par là pour pouvoir observer. Oh là, je marche sur de la terre. Vous vous rendez compte ou pas? Oh, ah mais oui, de toute façon, il faut que je marche sur de la terre pour aller chercher de la biomasse. Je sais pas comment faire, je sais pas comment aller la chercher en automatisant. Mais il me faut de la biomasse. Alors attends, tour d'observation, ça dégage. On va en refaire une autre. Depuis là-haut, là. Depuis genre là. Là, on peut mettre une tour. Et voir. Tour d'observation. Ah non, c'est plus grand en fait. Du coup, il faut plus de fondations. Non, j'ai plus assez de béton. Quel enfer ce qui se passe là. Non, c'est bon, ça va passer. Ça va passer. Ah non, en fait, ça va, ça prend pile la place d'une fondation. C'est ok. Genre là, on peut faire ça. Et nous pouvons observer. Oh là 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 là. Oh là. Oh là là. Eh. En vrai, faut faire des convoyeurs à la sortie de tes constructeurs qui se rejoignent dans un seul convoyeur pour aller dans un conteneur. Ouais. Des convoyeurs à la sortie de tes constructeurs qui se rejoignent dans un seul convoyeur. À la sortie de mes constructeurs. J'ai pas compris. Attends. Ouais. Parce que attends, je suis pas encore giga opti en vrai. Là c'est... Enfin... Disons que je pourrais faire... Je pourrais faire mieux. Oh ! Je pourrais faire mieux, mais c'est que le début. C'est que le début. Là, du coup, attends. Il me faut des trucs d'études de terrain. Oh ! Il me faut des vis ! Attends. Il me faut des vis, du fil et des plaques. Donc en vrai, les barres, ça dégage. Je vais faire des vis plutôt. Voilà. Par contre, pourquoi ça marche pas ? Ça ne marche pas. Allô ? Ma foreuse ? Bah ma foreuse ? Bah. Foreuse ? J'ai pas assez de béton. Ma foreuse, elle a disparu. C'est moi qui l'ai détruite tout à l'heure. C'est totalement moi qui l'ai détruite. Attends, on va chercher du béton. Oh là 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 là. Attends, j'ai eu du mal à comprendre ton message d'Arkis. Tu compares Outer Wilds à Satisfactory en mode. T'as fini Outer Wilds et tout, mais du coup t'es content et du coup tu regardes aussi en mode, là tu connais moins, mais... Parce que je me disais, mais attends, du coup le DLC, ou est-ce que machin, ou est-ce que... J'ai dû la déconstruire sans faire exprès, exactement, ouais. Attends, ça c'est pertinent.
Voilà. Non. Il faut que je fasse maintenant ceci. Putain, elle est dans le... mauvais sens. Tout va bien. Alors, attends. Foreuse. Voilà. Voilà. Sauf que du coup, j'enlève le convoyeur. Et je le mets... voilà. Ici. Et ici. Et ça marche ? Ouais ? Bah non, c'est pas alimenté à l'électricité. Bah non. Du coup, il faudrait un poteau électrique. Attends, il y en a déjà un qui est là. Non. Non, parce que mes poteaux électriques, ils sont bien. Ils sont vraiment symétriques et tout. J'aimerais qu'ils le restent. Ils sont bien. Hop. Si j'en mets un là, est-ce que je peux mettre de l'électricité comme ça? Non. Aucune ligne électrique. Attends, attends, attends. Oh non. Non, non, non. Et là, il y en a? Non. Non, 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 non. Ça veut dire que je suis obligée de faire ça. Je vais trop loin, les gars. Vous êtes autorisés à vous facepalm. Et du coup, là, je peux alimenter ceci. Ok. Et là, c'est bon? Ça marche? Alors, peut-être. Alors, peut-être, let's go! Le fer. Oh, le fer qui sort donc de là, qui fait tout le tour. Ça ne sert absolument à rien qu'il fasse tout le tour, j'aurais pu le faire passer par là. Mais bref, c'est pas grave. Qui fait tout le tour pour arriver là-dedans, qui est transformé en lingot de fer, pour pouvoir ensuite être convoyé là-dedans et là-dedans, et faire des plaques de fer, et du coup des vis. Là on a ceci qui est transformé en fil électrique. J'en peux plus du fil électrique, j'en ai 8 milliards de fil électrique. 8 milliards, à peu près. On peut en enlever 200, par exemple. Ah tiens, attends. J'en ai déjà plein, en fait, des lingots de fer, donc je peux déjà préfaire le travail. Si j'en mets ici. Attends, what? Oh, attends, non, ça ne marche pas! Ça ne marche pas. Il ne me fera pas de vis. Non, ça ne marche pas. Ah donc non! Si je veux que les barres de fer deviennent des vis, il m'en faut encore une! Bah du coup on en fait encore une! Allez! Donc là! Ah mais non, mais il me faut des plaques de fer renforcées. Là c'est bon, on en fait encore une. On est plus à ça près! Là, si je fais des plaques de fer renforcées... ah, parce qu'il faut automatiser les vis. Les vis. Évidemment. Là, on peut faire... encore? Encore. Non. Oh, je marche sur l'herbe. Oh non. Voilà. J'ai marché sur de l'herbe. Attention. Là, on peut retourner. On peut faire ça. Et là, on peut convoyer... non, c'est pas ça que je vais faire. On peut convoyer... ceci, comme ça, de là à là. Oh, j'ai pas fait de plaque de fer. Attends, attends, attends. Ouais, ok, tout va bien. On peut convoyer ça de là à là. Et là, les barres de fer vont me faire des vis. Franchement? Par contre, attends, il y a un truc qui marche pas. Pourquoi ça marche pas, là? Pourquoi ça sort pas? Ouais? Ouais? Attends.
Est-ce que c'est encore buggé? Si je fais ça comme ça... Attends, non. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce que tu me fais là? Voilà. Et comme ça? Forme de convoyeur. Le convoyeur est trop incliné. Non. Alors attends. Attends, faut que je le reconstruise normalement parce que là j'avais fait n'importe quoi. Ça ne va pas. Attends. Ok. Attends. Est-ce que si je fais ça, ça passe ou pas? Je pense pas, mais on va essayer au cas où. Si je fais directement de là à là. Et de là à là. En fait, il va passer dans le rocher. Là est le problème. Il passe dans le rocher. Mais après, est-ce que c'est si grave, finalement? En vrai, non. Ouais. Là, en fait, le truc, c'est qu'il va me dire que c'est trop incliné. Et est-ce que si je le mets directement là? Non, forme non valide. Comment ça, forme non valide? Attends. Je peux monter la hauteur du pilier de convoyeur? Ah ouais? Comment? Construire, pivoter, mode ancrage, bloquer, copier, changement rapide, menu de construction. Attends. Clique une fois et monte. Oh! Oh! Ok! Mais attends, mais du coup, ça ne m'aide pas, non? Ça ne m'aide pas. À moins que si. Attends. Si je fais genre ça. Attends. Non mais non. Non, ça sert un peu à rien du coup. Ouais, non, ça sert à rien. Du coup, ça n'a pas d'utilité. Non mais en fait, faut que je fasse le tour. Hein. Comme ça. J'en avais même laissé un là. Oups. Comme ça. Et en fait, ce sera très bien. Ça dégage. Mais du coup, au risque de me compliquer la vie. Non, il veut pas non plus, c'est trop incliné. Là, en fait, est-ce qu'il veut... Ok, il veut bien comme ça. Ok, on va le mettre comme ça. Et ensuite, on va faire un tournant comme ça. Et ensuite, on va le faire aller là-dedans. Oui! Ok! Ok. Bon. Ça aurait pu être 10 fois mieux. Mais écoutez. L'essentiel, c'est que ça marche. Après, ouais, j'aurais pu faire un convoyeur en vertical, t'as raison. Mais non, ça bloque! Production interrompue, à l'arrêt. J'avais appuyé sur pause. Ouais. Fais voir le convoyeur vertical, la gueule qu'il a. Attends. Ouais. Mais du coup, attends, tu peux pas avoir un convoyeur vertical qui rentre d'un côté et ressort de l'autre? C'est forcément du même côté? Ça a l'air d'être forcément du même côté. Si je peux. C'est peut-être pas le... Ouais. Copier le bâtiment, changement rapide. Non.
coup, j'ai mon visage devant, mais le jeu qui me fait « Vous jouez depuis 4 heures !» Ça commence à devenir long, frérot. Ouais, c'est bon. C'est bon. En vrai... C'est pas grave. En vrai, c'est rentré. Ça devient des lingots. Into, ça va là-dedans. Là, on a les plaques de fer. Into, ça va là-dedans. Et là, en théorie, derrière, il y a des barres de fer qui en ressortent. Ah mais merde, attends, non. Ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Il est alimenté, lui? Non, il est juste pas alimenté à l'électricité. Ok. Ah non. Ah non. Attends. 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 Du coup, électricité, lui, on le connecte à lui. Lui, on le connecte à lui. Et lui, on peut le connecter à lui. C'est bon. Ok. Ok, ok. Ouais, pour l'instant, je crame toutes mes barres de fer... Enfin non, toutes mes... Ouais, toutes mes barres de fer en vis parce que j'en ai besoin de 300. Pour faire... Mais du coup, l'idéal, ce serait que la moitié se transforme en vis et que l'autre moitié aille dans un conteneur. Du coup... Ça pourrait être pas mal. Comme ça, je garde des barres de fer. Mais en fait, j'en suis vraiment... J'en suis au tout début. Hein. Je me suis juste emballée comme... Je me suis juste beaucoup trop emballée. Mais j'en suis au dernier truc du niveau 1, là. Il me faut juste des vis. Et ça me débloquera l'étude sur le terrain. Sauf qu'après, il y a le palier 2. Puis après, ouais. Ouais. Voilà. Du coup... Je vais juste vérifier. Avec tout ça, on consomme 43. Et on peut avoir 70. En vrai, ça va. Et du coup, en fait, j'ai juste à construire une autre de ces brûleurs de biomasse. Je connecte ici. Enfin non, je pourrais pas connecter ici. Il me faudrait un autre poteau, mais... Ah, quoi que non. Parce que là, si j'en ai un quatrième, je peux pas le brancher là et du coup dispatcher à tout le reste. Donc là, il faudra que je fasse tout un autre réseau. Ouais. J'ai peut-être 2000 heures sur ce jeu. Oh ah ouais. Ah ouais, 2000, c'est pas mal. Effectivement. Ah mais là, je suis bien, là. J'ai réussi à automatiser mes petits trucs. Plaque de fer. Et là, normalement, j'ai mes vis. Oh, let's go. Incroyable. Du coup... je peux mettre ça et juste il faut que j'attende pour faire plus de vis. C'est le seul truc. J'en ai des... Ah mais j'en ai masse en fait des barres de fer sur moi. Ah bah oui. En vrai je peux en mettre certaines dans le truc directement. Je me rends pas compte s'il y en a déjà beaucoup. Ouais non, il y en avait déjà 40 en vrai. Je peux faire clic droit dessus. Ah non. Alors attends. Parce qu'en fait ça, ce sera cool parce que ça va me débloquer de quoi chercher des nouveaux minerais. Et avec ça, du coup, on pourra partir à la chasse dans le monde des pécores où faut marcher sur l'herbe. Vas-y, on va chercher de la biomasse en attendant. Quelle heure il est? 21h30? Ok. Mm-hmm. 21h30, voilà. 21h30, effectivement. Aussi, je vois qu'il y a de l'eau au loin. Et je suis sûre, au bout d'un moment, ça va nous servir à quelque chose, l'eau, parce que ça nous l'a dit, pas dans le tuto, mais quand on cherchait un biome. Au tout début, quand ça nous a fait sélectionner la map. Mais pour l'instant, je vois pas ce qui pourrait utiliser de l'eau. Oh Bob! Comment tu vas? Ça fait un moment. Tu te portes bien? Tranquille? Tu glisses un peu là, non?
Tu slides? Tu peux te skateboard? Non? Pas de skateboard? D'accord. Allez. Fais voir l'eau? On peut se baigner, on peut faire un truc particulier avec l'eau, on peut nager. On peut nager. Toujours la question existentielle dans les jeux. Est-ce qu'on sait nager ou est-ce qu'on ne sait pas nager? Est-ce qu'on meurt instantanément ou est-ce que pas du tout finalement? Ok. Bon, on sait qu'il y a de l'eau ici. On récupère de la biomasse. Oh, c'est quoi ça? C'est du cuivre, je pense. Je pense que c'est du cuivre, on fait voir. Ah non, du bauxite. Bauxite. Il y a trop de minerais, ça veut dire qu'on peut faire plein de choses avec tous ces minerais. Mais là, c'est pas des gisements, je pense. C'est juste un petit minerai qui dépasse. Salut Warhead, ça va et toi? Ça va, ça va. Nous sommes en découverte de Satisfactory. Ça fait 4 heures qu'on joue. Et effectivement, c'est sympathique. C'est satisfaisant, c'est vraiment le nom. C'est vraiment le nom. C'est fort sympathique. Alors, je vais revenir avec toute la biomasse. Magnifique. Où est ma maison? Là-bas. Ah bah oui. Oui, oui, effectivement. Et j'avoue que j'ai 3 caisses de démantèlement. Je le vois sur la map, là. Qui sont cachées, je sais pas où est-ce qu'elles sont. Oh Bob, il est revenu. Je viens de finir une bonne session de 8 heures dessus. Ah, j'avoue. J'avoue. Et c'est la toute première fois dans ma vie qu'un jeu te met des alertes. Enfin, me met des alertes en mode ça fait 4 heures que tu joues, frérot. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter de jouer. Ok, biomasse. Ouais, il va falloir que j'automatise le fait de créer de la biomasse aussi, mais ça va, c'est pas non plus... Genre, tu le fais en une minute pour une heure de jeu. Large, je pense. Ah oui, non, même plus, là. Là, ça m'en a fait 400... 600... Ah oui, non, large, en fait. Hein. Ok. Du coup... Faudra que je les mette dans un coffre, parce que là j'imagine que... Ouais, large en fait. On est large. Ok. On met tout ça. Tout ça. Et le reste, je mets dans un coffre. Dans le seul coffre que j'ai pour l'instant. Biomasse. C'est ici. Et ici. Ok. Alors, mes vis. Tu flipperas vraiment quand on aura la 24 heures. J'imagine qu'en plus le message il est de pire en pire à chaque fois. Vraiment, c'est en mode non mais vraiment là frérot, faut aller dormir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ok. Eh bien, let's go. Incroyable. Étude sur le terrain débloquée. Milestone reached. Supply the molecular analysis machine, referred to as the MAM, with local resources to research and develop new technologies. Potential technologies include exploration tools, weapons, and factory buildings. These are essential for maximizing your pioneer efficiency and alignment with Fixit's core pillars: construct, automate, explore, and exploit. To advance Fixit's mission, all notable phenomena, resources, technology, or other influence should be investigated regardless of any perceived danger, as stated in the Pioneer Contract. Ok. D'accord. Je me disais justement, je suis étonnée de te voir sur ce genre de jeu. Pourquoi ça? Pourquoi ça? J'ai toujours adoré les jeux de gestion. Moi. Pourquoi? Je ne comprends pas. Alors attends. Attends, ça nous a donné le MAM. La machine d'analyse moléculaire permet d'analyser de nouveaux matériaux. Le département R&D aidera les pionniers à transformer toutes données de valeur en options de recherche. Ok. Ok, donc il me faut des fils et il me faut des comment on dit là, plaques de fer renforcées. Oui, bah oui, du coup il me faut des vis. Il me faut des vis. Il faut des fils. Ouais.
Mince, non. J'avoue qu'en fait, limite ces fils-là, il faudrait que je les transforme en quelque chose parce que là... Ah oui, ça a l'arrêt tellement il y a de fils en fait. Le truc, il en peut plus. Il n'en peut plus. Alors attends. Ouais, il me faut des plaques de fer. Mais non, mais j'en ai déjà plein en fait. Pourquoi est-ce que je les fais? Câble. Voilà. Et les plaques de fer, il y en a là-bas. Ouais, il faut manger pour vivre dans la vraie vie, c'est vrai. C'est vrai, ça. C'est terrible. C'est terrible! Alors, attends. Non, ça, c'est bon. Ça, on a tout. Il fallait faire la MAM. Non, il faut les plaques de fer. Renforcer, il m'en faut encore 4. Ok. En vrai, ça avance bien, hein. Franchement, pour les 4 premières heures de jeu, je trouve que je m'en suis bien sortie. Fais voir la taille de la map. Ça va, ça passe. Ça passe, je peux la mettre vers là, je pense. D'accord qu'ici, il n'y a rien de toute façon. Ouais. Le laboratoire, on peut le mettre ici. Pourquoi pas? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Configurer. Oula! Oula! Alors attends. Mégaphone extraterrestre. Les échantillons récoltés sur la mégaphone locale peuvent être utilisés pour produire des outils de survie pour les pionniers et permettront également de faire progresser les recherches de Fixit sur les formes de vie extraterrestres. Ok. Nutriments. Plusieurs fruits et champignons comestibles présents dans le périmètre qui vous a été attribué sont compatibles avec le système digestif humain. Ils peuvent avoir des propriétés médicinales ou alors soufre. Il peut être extrait de ces mélanges minéraux. Ok, son utilisation en tant que parfum est déconseillée. Oh là là! What? Tout ça? Waouh! Attends, soufre. Récompense, ressources bleues scannables, soufre ensuite. Deux indisponibles, ok. Donc si je fais ça, lancer la recherche. Ok. Analyse terminée. Veuillez choisir un autre nœud dans un arbre pour lancer une nouvelle analyse. Oh, waouh, waouh, waouh! Poudre noire. This unknown chemical element was in reality an unusual mixture of solid sulfide and sulfate materials from which sulfur can be extracted. Sulfur's primary use lies in fertilizers, which we have no use for. Instead, this element enables access to more volatile obstacle clearing and pioneer defending tools. Ok. Détonateur de Nobelisque. Ceinture à outils élargis. Ok. Production d'énergie expérimentale. Ok. What the fuck? Ok, donc ça, faut du charbon. Ça, c'est quoi? Phénomène classé secret. Métal inconnu. Croissance mycélienne. Relevé d'énergie insolite. Minéral cristallin inconnu. Ok. En vrai, on peut essayer d'observer d'autres choses. Ça, on n'avait pas. Ça, on n'a pas. Protéines extraterrestres. Recherche. Ouais, non. Non, ça, on n'a pas encore buté d'animaux. Par contre, on a des baies. On a des baies. Vas-y, je peux relancer la recherche de ça. J'ai dit lancer la recherche. Ok. This fruit, dubbed the paleberry, due to its tendency to stay light in color even when ripe, is compatible with the human digestive system and has been added to the object scanner. Further research is available. Ok, et ça? Il me manquera ça en fait, ça je sais pas où c'est. Ok. This fruit, dubbed the barrel nut after its distinctive color, is compatible with the human digestive system and has been added to the object scanner. Further research is available. D'accord. J'ai pas le reste du coup. Donc pour l'instant, on va laisser ça là. Et du coup, fais voir le palier 2 là. Attends, du coup, il y a palier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, palier 2, il y a déjà 5 trucs. Assemblage de pièces. Transforme deux pièces pour en créer une nouvelle.
Ah ouais. Tôle de cuivre. Rotor. Matériau de fabrication. La pièce mobile d'un moteur. Cadre modulaire. Plaçage intelligent. Ok. Dégagement d'obstacles. Tronçonneuse. Ok. Biocarburant solide. Tremplin. Programme bonus de broyage de ressources. Broyeur. Vous avez des ressources en trop, pas d'inquiétude. Ok. Boutique. Veuillez utiliser vos bons fixites. Ok. D'accord. Et logistique numéro 2. Convoyeur qui va plus vite. Pylône de convoyeur empilable et convoyeur vertical MK2. Ah oui, d'accord. Et du coup, lui, il se tourne. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Et du coup, le palier 1, là, c'est bon. Mais en fait, il faut toujours que je construise... L'objectif, c'était de construire l'ascenseur orbital, là. C'était ça, mon objectif de base. Et par contre, il en faut beaucoup de choses pour le lanceur orbital, là. Du coup, hop, béton, on peut aller en chercher. Ça... Ouais... Fais voir qu'est-ce qu'il fallait pour le lanceur orbital, du coup, il me fallait surtout des plaques de fer et des barres de fer. Hein. Du coup, en vrai, ça, pour l'instant, on va arrêter de faire des vis. On va garder les barres de fer. On va les garder. Il nous en faut 400, je crois. Attends. Non. Ah non, je peux pas les ramasser, celles-là. Attends. Arrête de les sortir, en fait. Barre de fer. Ok. Et du coup, il faudrait 400 barres de fer, 250 plaques et 1500 fils. 1500 fils, au final, je les ai. Incroyable. Incroyable. Franchement, on a quasiment 1500 fils. Je peux pas traquer la recette, si, hein. Ajouter à la liste des tâches. Oh, let's go! Ascenseur orbital. Incroyable! Ok, ok, on est bien là. On est bien. Franchement, franchement, ouais, hein. Attends, juste en vrai. Ce mec me gaffe depuis des semaines, que des messages déplacés. Il n'y a aucun message qui n'est pas déplacé depuis des semaines. J'avoue, flemme. Ça a été le truc de trop. C'est vraiment, il y en a qui ont aucun respect. Ouais, ça fait un moment que je me tâtais aussi, mais là c'est bon, c'est good vibes. Cela suffit. Cela suffit. À un moment... Attends, Bob, tu bouffes quoi là? Non, il bouffe rien en fait. Tu m'as fait peur, Bob. Hein. Attention. Hein. Attention, on fait pas ça. Ok. Là, en fait, faut juste que j'attende que les trucs soient terminés. Genre, tout ce qui est fer. Forcément, ça prend plus de temps parce que j'ai divisé en deux. Mais sinon, ça, en tout cas, pour l'objectif, c'est bon. Ça va, Bob, on ne te dérange pas, hein. On te dérange pas, tu viens tranquille dans mon usine. Tranquille. Ok. Pourquoi pas. Oh là là. J'aime trop ce jeu. Incroyable. Ça par contre, j'ai pas tout compris. Assemblage de pièces, machin, tout ça. Mais c'est que des ressources qu'on a aussi. J'aurais bien aimé avoir l'ascenseur orbital pour voir ce que ça fait. Sur la fin, mais faudrait limite plus de fer. Faudrait mettre une autre foreuse et directement. Ah non, mais non, parce qu'il faut que ça transforme en lingot de fer, tout ça, machin. Non, là, faut juste attendre un petit peu en fait. Hein. Je pense. Mais du coup, attends. Non, ça, c'est la lampe de poche. C'est ça que je veux faire. Ah oui. Soufre. Ça y est.
Bah, y'en a pas. Oh, j'étais trop contente. Oh, waouh! Bah, c'est à 1 km. Ça va être long. Et du coup, j'imagine qu'à un moment, j'en aurais besoin. Ah ouais, 1 km pour aller chercher le soufre. C'est pas mal. Effectivement. Et du coup, faut vraiment faire des kilomètres avec des kilomètres de convoyeurs pour aller chercher toutes les ressources. Là va être le truc. C'est pour ça qu'il faut vraiment voyager sur la planète. Mais ouais, d'accord. Ah, c'est pas si loin ? Oh, pour moi, 1 km, c'est énorme, hein. Moi, j'ai pas encore fait 1 km dans le jeu. C'est quoi, ça ? C'est des oiseaux. Ça va, les gars ? C'est un oiseau, mais c'est une fleur, son bec ? Tu veux quoi ? Tu veux... Ok. Très bien. Voir le soufre ? Ça va être vers là-bas. Ça va être trop loin. Ouais, c'est loin. Hein. De toute façon, je crois que j'ai pas pris les trucs pour construire quoi que ce soit là-bas. Fais voir. Production, foreuse. Il me manque une foreuse portable. Ouais. Oh non. Non, 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 non. Dégâts matériels. Je cours. Je cours. Bob. Bob 1 et Bob 2, vous pouvez pas m'aider? Oh, ils sont deux en plus. Terrible. Bob. Protège-moi. Aïe. Oh. Aïe. Comment je fais? Je vais devoir les taser, hein. Oh, oh. Oh, je vais mourir. Non, il attaque Bob! Destruction imminente de propriété. Non! Je me suis fait éclater. Je me suis fait éclater par les mobs. Ils ne rigolent pas. Ça ne rigole zéro par ici. Oh, incroyable. Par contre, je perds rien. Quel bonheur. C'est bon, Bob, au moins, il est gentil. Hein. Ah ouais, 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 il faisait plus mal que les autres, celui-là. Je confirme. Je confirme totalement. Ok. Alors, attendez. Est-ce que notre production est terminée? On a fait des petits allers-retours. Est-ce que la production est terminée? Ouais, non, ça divise bien quand même, hein, de faire comme ça. On sent que la production est plus lente. La production est plus lente. Eh ouais. Terrible. Mais du coup... Même les autres trucs, de toute façon, il faut que j'automatise plus. Hein. Je pense qu'au bout d'un moment... Je sais pas si c'est logique de séparer le fer en deux. Je pense pas, parce qu'à mon avis, il faut juste que les tapis aillent plus vite. Je me rends pas compte. Ou alors, je mets un deuxième gisement et je fais deux trucs. Ça se passe, l'industrialisation. Franchement, regarde, regarde, attends. Je te fais un panorama. Panorama de cette première journée. 4h30 de gameplay. Franchement, on est pas mal, hein. On est pas mal. J'ai mis beaucoup trop de fondations, mais c'est pas grave. On n'aura jamais assez de fondations. Et du coup, on a le fer. Mais on a plein de gisements de fer. En fait, faut que je fasse masse fer. Je pense que je vais faire ça. Je vais en faire une deuxième de machine... de foreuse de fer. Et on va séparer. On va séparer. Parce que là, on a 4 gisements de fer et j'en utilise qu'un. C'est pas bien, c'est pas bien. Il en faut plus. On a jamais assez de fondation, ouais. Ouais, effectivement. Ouais. Alors attends.
si je mets un autre four derrière. Ouais, en vrai, c'est ça, hein, je pourrais... Attends. Il me faut une foreuse portable. Ah, mais pour faire une foreuse portable, il faut un truc que j'ai pas reconstruit. Il faut un atelier d'équipement. J'avais pas reconstruit ça. C'est vrai. L'atelier d'équipement, on peut le mettre là. Attends, non, c'est pénible ça. Bon, on le met là pour l'instant. Parce que le but, c'est de refaire... Attends, c'est quoi ça? Scanner d'objets. Scanne la zone à la recherche d'une ressource donnée. On a déjà ça, non? J'ai pas ça? Je l'ai plus parce que je suis décédée? Non. Non, je l'ai encore. Mais tu peux en faire un autre, visiblement. Ok. Donc alors attends, foreuse portable. Into foreuse normale. Coffre individuel. Ah oui, ça c'est pas mal ça. Là on va pouvoir ranger avec les coffres. Foreuse portable, où est-elle? Non, foreuse tout court. Ok. On va mettre sur un deuxième gisement de fer. Genre là. Je pense. Voilà. Et du coup, là, on peut directement ramener le truc dans un autre four qui les ramènera directement... Attends. Ouais, plutôt de l'autre côté. Genre... Attends, parce que là, on est d'accord qu'il n'y a rien dedans. Donc, si je refais un constructeur ici... Mais dans l'autre sens, par rapport aux autres. Attends, non, il faut que j'enlève ça aussi. Si je mets un constructeur là, mais de ce côté-là. Ouais. Là, en fait, il faut juste que j'ai un four ici. Du coup, j'ai pas assez de fondation. Il n'y a jamais assez de fondation. Non ! Non, c'est bon. Ok, on est bien. Et là, il me faudrait un autre four. Ah mais non, mais là, c'est un bordel, là. Le scanner d'objets, c'est un peu différent. Ok. Ok, ok. Alors, attends. En fait, il te faut un autre four, voire même plusieurs, parce que la première foreuse sature. Ah, ouais. Ah, ouais, je vois l'idée. C'est que du coup, ça coince là. Ouais, je comprends. Je comprends l'idée. Du coup, alors attends, le four. Faudrait limite en faire deux, quoi. Deux pour un seul truc. Sauf que là... Là, j'ai plus de place. J'ai plus de place, évidemment. Bon, en vrai, on peut déjà faire ça. Into ça. Into ça. Déjà, comme ça, on double la production. Attends. Qu'est-ce qu'elle me fait? Mais attends, mais elle est sur le côté. J'ai fait n'importe. Mon constructeur est sur le côté. Tout va bien. Tout va bien. Hop. Ok. Et là, voilà. Chevauchement sur un autre objet. Ah bon? Sur quoi? C'est une très bonne question. Sur quoi? On va voir. Alors admettons, on veut faire des barres de fer. Ah mais du coup, on peut tout reconnecter à l'électricité. Évidemment. On a combien d'électricité là? Ponceau, on est à 34 et capacité 70. Ah oui, non, large en fait. Très très large. Donc, l'électricité. Il nous faut plus d'électricité. Il nous faut un... ouais, mais là du coup ça va passer derrière les machines, c'est pas fou. Ce n'est pas fou. Je suis obligée de le reculer.
Attends. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas, peut-être celui-ci. Ouais, là, ça va. Du coup, là, on peut relier ceci à ceci. Et celui-là peut être relié aux trois trucs. Comme ça, comme ça. Et comme ça. Ouais, ok. Et toi, ok, toi tu t'allumes. Superbe. Le four, il en fait du fer. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Mais en fait, il n'y avait même pas besoin de faire ça jusque-là. Là, j'avais juste à faire un connecteur là pour avoir un autre four. Du coup, je pourrais peut-être faire ça après. Mais là, pour l'instant, compliqué. Compliqué. Ok. En vrai, on a plus de fer. C'est tout ce qui compte. On a tout ce qu'il faut. Là, il nous fallait ceci. Ok. Et il nous fallait ceci. Incroyable. Il nous manque juste 30 plaques de fer. Bah, limite, je vais faire des... Ah bah non, je peux pas. Attends, pause. Je veux faire autre chose. Attends, je veux faire des... Ça ne marche pas ? Ça ne marche pas. Ah non mais... Je commence à fatiguer la meuf. Mais ça marche pas. On appuie sur un seul bouton, mais bon. Ok. Le béton, parfait. Mais en fait, oui, vous avez raison. En fait, ça sature de ouf, là. Ça sature de fou. Il faut deux trucs. Il faut deux trucs par... par type de lingot. Mais ouais. Du coup, plaque de fer, il nous en manque même pas une vingtaine, et on est bon. Et on peut faire le premier truc, il nous en manque 6. 6 ! Donnez-moi le fer ! Magnifique, superbe. Ah, et le fil électrique aussi, il nous en manque 7. Et ça, normalement, on en a 650 000, ouais. On en a 650 000. Incroyable. Oh, ok. Ok. Nous pouvons donc faire le fameux l'ascenseur orbital. Oh, ça va la taille du bordel ou... Ah bah les gars. C'est quoi la taille de ce truc? Mais je vais devoir poser des fondations jusqu'à ce que mort s'en suive. Merde. Attendez. Là, c'est du fondation jusqu'à ce que mort s'en suive. Je reconnais. On va faire ça comme ça. Hein. Est-ce que là, ça marche? Ouais, hein. Ouais. Yo, Kat, comment vas-tu? Comment vas-tu? Alors attends. Ouais, hein. Là, ça peut passer, hein. Si je fais ça et que je tapisse tout. Fais voir le. Il fait quelle taille déjà, ascenseur orbital? Non, mais les gars! Je me rends pas compte. Il fait combien de carrés? Pitié. Aidez-moi. What the fuck? Non, mais il en fait 800 000, hein. Sans déconner. Sans déconner. Il fait combien de carrés? Putain, je suis pas sûre de pouvoir... Il va pas tenir, en fait. Même si je mets des fondations jusqu'à ce que mort s'en suive. Hein. 8 sur 8 minimum. 8 sur 8! Attends, ça passe pas. Je pense que je peux pas aller plus loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, mais pas vraiment. Faudrait que j'en ai un qui aille plus loin. Alors attends, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. C'est énorme, 8 sur 8, non? Non, attends. C'est énorme! Est-ce que je peux mettre ça? On va mettre ça là pour l'instant. Putain. Attends. Je peux pas le mettre plus loin? J'arrive pas à le mettre loin. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est énorme! C'est énorme! Je pense pas que ça va jusque là, mes fondations. Oh là 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 là! Comment ça c'est petit, 8 sur 8? Non mais vous êtes tous tarés, hein, je suis scandalisée. Ça passe pas. Ça passe pas, c'est en pente. Merde! Et il te manque les matériaux, sinon tu peux le mettre? Tu penses? Ah ouais, parce que j'utilise les matériaux pour faire les fondations. C'est vrai, faut que j'aille rechercher des plaques là. J'essaye, hein, mais mon dieu! Ok. Ah, depuis la tour d'observation pour avoir un point de vue en hauteur, c'est vraiment pas bête, effectivement. C'est vraiment pas bête. J'essaye, hein. Cesse en de vrai. Déblatérer des bêtises et abreuve-toi. Ah, mais j'ai plus rien à boire! J'ai plus rien à boire. Santé. Enfin, j'ai du holly, j'ai du goût. Merci beaucoup, Twig, pour le sub. Merci, bienvenue à toi. Incroyable. Ok. Alors. Est-ce que. Attends, mais de toute façon, il me faut les matériaux. Il me faut les matériaux. Oh là là, mais c'est déjà. C'est déjà grand pour moi, mon usine, là. C'est énorme. Ok, plaque de fer, c'est bon. Ah non, il me faut le béton aussi. 8 sur 8, c'est à peine un campement de fortune. Non, mais vous êtes fous. Vous êtes totalement fous. 8 sur 8, là, c'est gigantesque. Gigantesque. J'arrive même pas à voir. J'arrive même pas à me rendre compte. Ah non, ça va! C'est pas 8 sur 8, en fait. Enfin, ça va. Tout est relatif. Je dirais pas ça va. Mais, ok. Fais voir. Attends, non, merde, ça dépasse. Ça dépasse. Quel beau parking quand même, Kappa. Merci, Marc. Quel beau parking. Ouais, c'est vrai que... parking pour les abonnés... Oh là, qu'est-ce qu'il me fait? Attends, mais c'est beau, il y a toute une animation et tout, mais en fait, faut que je le détruise et que je le remette parce qu'il dépasse. Oh non. J'ai oublié. Waouh. C'est extrêmement stylé, les gars, vraiment. Vraiment... Non, mais je suis ravie, hein, mais ça dépasse. Project assembly initialized. Congratulations, Pioneer. The space elevator will now automatically connect with the Project Assembly orbital platform. Project assembly is divided into phases, each of which require the delivery of project parts, such as smart plating, via the space elevator. Subsequent phases unlock access to new tiers with more advanced technologies to construct, automate, explore, and exploit. It is time to be honest. This project is part of the Save the Day program, the largest united undertaking in human history, destined to save us all. Ah! Earth is in peril and only Fix-It pioneers offer hope for survival. Fix-It is counting on you. Humanity is counting on you. Ah! Do not let Fix-It down. Sympa! Grosse ambiance par ici! Wow!
Superbe. Non mais ça dépasse. Non, 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 non. Non. C'est trop pour moi. Ça dépasse, les gars. Je suis désolée. Je suis obligée de le remettre. Non, ça va me stresser. Sinon, je vais couper le jeu, je vais y penser pendant trop longtemps. Voilà. Non, parce que du coup, ils étaient pas marqués. Quand tu construis le truc, ils te les prévisualisent pas, les petits trucs. Les petits pieds du côté, là. Ok. C'est bon, tout va bien. Très stylé, hein. En vrai, très très stylé. Juste un petit souci de fondation, mais bref. C'est pas grave. Léger souci de fondation. J'ai plus de plaque. J'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Ok. Objectif terminé la phase 1. Ok. Ok, nickel. Configurer l'ascenseur orbital. Plaçage intelligent. Phase 1. Plateforme de distribution. Débloque les paliers 3 et 4. Chargement en attente de cargaison. Fermeture envoi. Plaçage intelligent. Hein ? C'est quoi ça ? Je sais même pas ce que c'est. Attends, Maurice, tu vas te prendre... Il s'en tape. Ouais, il s'en tape. Attendez, si du coup je marche sur l'herbe comme une pécore maintenant ? Je marche sur l'herbe ! Aïe, aïe, aïe ! Attends. Non, parce que là, y a rien qui va ! Faut mettre des murs maintenant ! Je veux dire... Oh non, mais même les murs sont pas assez grands. Au secours, achevez-moi. Non. Aïe, aïe, aïe. C'est moi, je joue en multi, je démontais tous les circuits de mes mates quand ils oubliaient de tourner à angle droit. Ou de centrer les machines sur les fondations. Ah ouais. Ah ouais, pas mal, ouais. Mmh. Effectivement. Ah, des fondations en dessous à la verticale. Ah, potentiellement, ouais. Potentiellement. J'avoue, j'ai du mal à savoir ce que c'est, ces trucs-là. Je pense que j'ai juste pas encore débloqué. Palier 2, assemblage de pièces. Plaçage intelligent. Pièce numéro 1 du projet. On va y aller dans l'ascenseur orbital pour terminer les phases du projet assemblage. Mmh. Ok. Mais du coup, j'ai pas du tout... J'ai pas du tout les matériaux pour faire ce truc là pour l'instant. De toute façon, faut que je débloque l'étape. Donc Ouais. Non, mais je vais pas faire de nocturne. Non, c'est juste effectivement, c'est le jeu est intéressant, le jeu est sympathique, mais oui, il faut que j'aille manger de toute façon. Mon chien a mangé aussi, il faut... Ouais. Non mais... Oh là là, mais... Ça peut déjà être tellement mieux optimisé. Alors que je viens de tout refaire. Oh, c'est terrible. Non, effectivement, je comprends les gens qui disent que le jeu est prenant et que tu ne t'arrêtes jamais. Effectivement. Non mais il est énorme, cet ascenseur. Ascenseur orbital. Il est énorme. Gigantesque. Donc ça gâche un peu le paysage de la nature, quoi. On en oublie la nature magnifique, le petit lac au bout et tout. Non, c'est la société. La société, j'en ai fait des nuits blanches dessus. J'avoue que c'est giga satisfaisant. C'est trop bien. Mais écoutez, quand même, à un moment, il faut que j'aille manger tout ça. Il faut que le live se termine un jour. Mais c'est fou. C'est fou. Le jeu est très très sympathique. J'avoue que il y a une possibilité pour qu'on continue la découverte assez soon. J'ai bien aimé tout le délire. Je comprends l'addiction. Ouais, je comprends l'addiction. Hein.